Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Allez, terminez l'été en beauté, pensez aux déambulations au cœur du centre historique de Grenoble proposé par l'Office de tourisme. Ne ratez pas les voyages dans le temps, découvrez les origines de la ville à nos jours, les ruelles anciennes, les places, les personnages historiques, le street art, le fort de la Bastille. Jusqu'au 21 juin, au musée dauphinois, ne manquez pas l'exposition au refuge alpin, de l'abri de fortune au tourisme d'altitude. Une exposition qui retrace l'histoire des refuges de haute montagne, plus seulement ces abris dans lesquels les alpinistes viennent chercher une sécurité lors de leurs excursions, mais aussi un lieu d'évasion perché tout là-haut. Cette exposition a pour objectif de rendre compte de la place importante qu'ont les refuges dans l'histoire alpine, de les relier bien sûr à l'alpinisme, mais de montrer aussi que au fil du temps, ils sont devenus des lieux occupés par des populations extrêmement diverses qui aujourd'hui ne sont pas forcément des alpinistes chevronnés comme c'était le cas autrefois, mais qui sont tout simplement des gens dans le cadre de randonnées qui ont envie de gagner la montagne et de profiter de ces espaces dits de liberté, comme on a tendance à les présenter encore plus aujourd'hui après le contexte que nous venons de vivre. Ça fait partie de l'histoire de notre région, ça fait partie de l'histoire des Alpes et des refuges alpins. On en a dans tous les départements alpins, naturellement l'Isère, mais aussi les Savoies, les Hautes-Alpes. Et c'est un moment important, ce sont des lieux importants dans l'histoire, ça remonte au XVIIIe siècle, dans l'histoire de notre région, et ça fait partie de la manière de vivre des habitants de nos montagnes. Alors naturellement, des habitants de nos montagnes qui ont utilisé ces refuges, mais aussi qui ont accueilli des touristes, des visiteurs, des gens qui étaient refoulés de chez eux, donc dans ces refuges. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.